Monsieur, bonsoir et bienvenue pour cette seconde émission d'Altice TV. Nous allons tout de suite commencer avec l'arrivée de l'ONU en ville en tant que gouvernement provisoire. En effet, cette semaine, l'ONU a atterri à l'aéroport d'Atyra, puis s'est ensuite dirigée vers les anciens locaux du LPA pour s'y installer. Durant cette semaine, l'ONU a décidé de pourvoir le général Anton Bravatta au poste de gouverneur militaire jusqu'à ce que les élections électorales de l'île se terminent. Ils ont ainsi déclaré les ouvertures de ces élections qui dureront un mois. Chaque citoyen est donc libre de se présenter sous réserve de soumettre son programme à la population via les sites du gouvernement. Les votes se dérouleront donc le 1er avril 2023. Cette semaine a notamment été marquée par 3 attentats, dont 2 à la bombe. Ils ont été commis aux alentours de la place de Kavala. Durant une après-midi, un homme est arrivé sur la place et a tiré à plusieurs reprises sur un membre de l'ONU. Ce dernier, gravement touché, a été emmené d'urgence à l'hôpital dans un état critique. L'individu a donc été neutralisé et une enquête a été ouverte. Un communiqué a été diffusé pour expliquer la situation aux civils. L'ONU, en accord avec la gendarmerie, a décidé de renforcer les contrôles dans la capitale. Pendant cette même semaine, une bombe aurait explosé dans un bâtiment, ne faisant heureusement aucune victime. Peu après, une voiture piégée aura explosé, touchant malheureusement un membre de l'ONU et un civil. Enfin, une voiture aura explosé, tuant un civil et en blessant un autre. Ouais, c'est bon, t'es là? L'explosion aurait été causée par le gaz lacrymogène lancé par les gendarmes sur des manifestants insultant les forces de l'ordre. Ah mais comme par hasard, dès que les policiers sont... Enfin, dès que les gendarmes sont là, il y a une explosion, je trouve ça. Ouais, j'avoue, comme par hasard, dès que les flics étaient là, ça a pété. Et puis ils ont gazé tout le monde pour qu'on voit rien, avec leur marque de gaz. Le prochain qui fait un commentaire sur la gendarmerie, je l'embarque personnellement. C'est là, c'est limite embarquer tout le monde, tout le monde tout à l'heure. Ah ouais. Ah bah très bien, bon, on va faire six tâches, la tâche, vous abattre tout sympa. Ah ouais? T'es sûr que je peux pas t'abattre? Abattre, j'ai rien fait du tout! Vous avez tué un homme en tant que gendarme? Blague. Non, ils ont tué deux personnes. Allez, alors vous évacuez la place, hein, monsieur. Deux personnes, les clics quand même pas. Mais on est plus sur la place là. Non, mais vous évacuez la zone totalement en fait. De base, j'aimerais ne plus vous voir en fait. Du tout. Prenez vos véhicules. Vous allez vous réunir, je ne sais plus où, autre part dans le bâtiment si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vous parlez. Ouais, comme ça vous allez faire péter le bâtiment, bah ouais. Mais monsieur, on va tous dans le garage! Vous avez masqué les crimes que vous avez commis. Exactement, allez, barrez-vous. Ouais. C'est bien, non, mais je rêve, ils ont eu du gaz lacrymo, ils m'ont complètement défoncé. Ah, mort, les gendarmes. Faudrait peut-être appeler les pompiers, non? Mais je venais tout juste de louer mon pick-up rouge, qui est juste à côté. Monsieur là, il est témoin, il a vu me louer. Ça, ouais. Il explose. Non, mais c'est quoi ce délire? Et ils veulent même pas me rembourser. Oh,
J'étais en appel vidéo avec ma copine et elle me demandait si je la trouvais jolie dans sa nouvelle robe. J'allais lui dire « Je m'en fous de ce que tu portes, je te trouve tout le temps jolie. » Mais j'ai juste eu le temps de dire « Je m'en fous. » Maintenant, parler du nouveau groupe indépendant capitaliste pro-LPA, le GIC. En effet, les hommes du GIC font parler d'eux depuis plusieurs semaines sous forme de revendications, de menaces et d'attentats. Ils se proclament ainsi comme étant les remplaçants du LPA. Leur objectif est de renvoyer les communistes et les rebelles de Lille, de punir les collaborateurs, d'améliorer la sécurité d'Altis, de défendre et d'aider la population Altos. Leurs revendications postés sur les réseaux sociaux sont souvent des menaces envers les gens contre le LPA et leur groupe. Ils s'en prennent à des civils en les forçant d'abattre leurs proches. Alors, monsieur le caporal, qu'est-ce que j'ai dans les mains? C'est pas mon sexe. Vous voyez bien ce que j'ai là dans la main? S'il vous plaît, non. Voilà, donc vous avez à partir de maintenant 15 secondes. Sinon, malheureusement, le stagiaire découverte, il sera obligé d'appeler les pompiers. On n'arrive pas là. On va en arriver là. Faut fâcher. Non, monsieur. 14. On pourrait s'arranger en trouvant, monsieur. 13. Monsieur. 12. 11. Monsieur, s'il vous plaît. 10. Faites-le à moi. Mais pas lui. Monsieur, non. 8. Non. Allez. Monsieur, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? 6, 1, 1, 5. Monsieur Rick, la GIC souhaite que vous leur envoyiez une lettre d'excuse. Pendant le fait qui s'est passé avec eux. Voilà, merci, oui. S'il vous plaît. Voilà, c'est voilà, vous venez de sauver la vie, vous êtes un héros, monsieur. Vous avez sauvé la vie du stagiaire. Ils vont même jusqu'à faire des mariages forcés. Prends nos places. Bonjour. Et bienvenue. A tous, dans le temple de notre guide suprême. Poël et les vieux. Voulez-vous prendre Marie-Élise de la Touche pour épouse et te jurer solennellement de l'aimer dans la richesse comme dans la pauvreté, dans l'amour comme dans l'adversité, pour le meilleur et pour le pire, et ce jusqu'à ce que la mort vous sépare? Attention, tu choisis que le pire, là. Oui, je le veux. Marie-Élise de la Touche, voulez-vous prendre Joël Lefioteur pour époux et te jurer solennellement de l'aimer dans la richesse comme dans la pauvreté, dans le bonheur comme dans l'adversité, pour le meilleur et pour le pire, et ce, jusque ce que la mort vous sépare. Dans ma famille, il y a quelque chose d'assez... Monsieur, c'est la tradition dans ma famille. Et vous avez respecté la tradition de ma famille, monsieur. Je sais pas, ça dépend. Est-ce que vous savez de quel rang je suis issu? Vous avez une particule devant votre nom, mais ça ne veut plus dire grand-chose de nos jours, il me semble. Ça veut quand même dire être aristocrate. C'est vrai, dans notre cité moderne, ça ne veut plus dire grand-chose, mais nous gardons quelques principes, qui est de demander au père, ou dans ce cas-là, à mon frère, mon mais... Je me permets de vous interrompre, ces principes sont délibérément ignorés par les lois de notre guide suprême. Exactement. Nous donc, pouvons continuer. Je crois que, attendez, elle n'a pas donné son consentement, monsieur. Ah, c'est juste. Je préférerais quand même qu'elle donne son consentement. C'est à ce moment-là que vous êtes censé dire « Oui, je le veux de tout mon cœur !» Surtout, vous rajoutez bien « de tout mon cœur », c'est très important. Très cher. Merci. Peuple d'Altis, par les pouvoirs qui me sont conférés, par notre guide suprême, je vous déclare mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée. Hourra, hourra.
même si tu sois là, je vous ma toute belle. Vous apprendrez à m'aimer. Oh, qu'est-ce que c'est? Wouhou! Je crois que je vais pleurer. Plusieurs groupes rebelles ont décidé de faire quelque chose contre ces personnes se croyant tout permis sur l'île. Ici la GIC, nous adressons au peuple d'Altis dans le désarroi le plus total. Il y a peu, nous avons fait des attentats, des explosions de véhicules et avons taxé des pompiers et des entreprises. À ce jour, nous tenons à nous excuser et promettons de ne plus perpétrer ce genre de choses. De plus, nous acceptons de ne plus revenir dans le canton de Pyrgos. Mais aussi ne pas effectuer d'action contre les civils et entreprises. Nous avons eu la lâcheté d'aider le LPA et nous en faisons les frais. Le LPA est parti en traître et nous les avons aidés à le faire. En prenant leur idée, nous sommes tombés à leur niveau et sommes égaux à des lâches. Je demande à tous mes collègues et partisans prenant nos idées de se rendre dans les délais les plus brefs, de se rendre à la gendarmerie où vous serez chassés jusqu'à ce que mort s'en suive. Voici quelques extraits de vidéos et de menaces tournées par le GIC, puis postées sur les réseaux sociaux. Il ne vous reste que quelques jours pour payer l'impôt révolutionnaire. Certaines personnes ont même décidé de s'excuser face à leurs menaces, comme Rick Brooks, qui avait été capturé lors d'une de ses interventions en tant que pompier. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle Thomas Plath, et je suis actuellement le PDG d'Altis TV. Je tenais à vous dire au nom de toute l'équipe un grand merci. Merci beaucoup de nous soutenir dans nos émissions et sur le travail que nous vous proposons. Je vous laisse dès à présent avec les photos de la semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième émission d'Altis TV.